there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Qu'est-ce qui se passe dans The Fury, donc dans les deux premiers numéros? Parce que vraiment le plus important c'est le troisième, forcément. Et dans les deux premiers, bah, comme je le disais avant pour le troisième souhait, bah, il se passe pas grand chose finalement dans The Fury. C'est vraiment le combat de Hellboy contre Nimue. Nimue qui devient une sorte de vaisseau pour l'un des Ogdru Jahad, qui prend possession du corps de Nimue. Pour déclencher Ragnarok, l'apocalypse. Donc Hellboy va se battre contre ce démon en haut d'une tour. Et à côté de ça, Alice... Alors, petite parenthèse sur Alice et sur l'un des plus gros retournements de veste de Mignola depuis le début de la série Hellboy. Hellboy a enfin pécho. Ça y est, Hellboy a une meuf. Hellboy a une petite chérie, d'amour donc du nom de Alice, et en fait Alice est tout simplement le bébé qu'il a sauvé dans l'histoire courte Le Cadavre. Il va récupérer donc un bébé, donc c'est ce bébé là, et Alice donc vieillit à un rythme assez lent, au même rythme que Hellboy en fait, on va dire, entre guillemets, pour vraiment résumer la chose, puisque du coup elle était bénie par les fées. Et donc il retombe sur cette nénette dans l'Appel des Ténèbres ou la Grande Battue, je sais plus trop, et donc dans The Storm ils se font un petit bisou juste avant que Hellboy ne quitte le pub pour rejoindre Nimue dans sa tour, dans sa grande tour là, avant qu'elle se transforme en dragon. Et donc je parlais de retournement de veste parce que oui, lorsque Hellboy, The Golden Army, puis même lorsque le premier Hellboy était sorti, Mignola a vraiment montré et a clairement exprimé, non pas ses doutes, mais ses réticences quant à voir son personnage entretenir une relation amoureuse avec, au-delà du fait que ce soit Liz Sherman, donc un membre du BPRD, entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un, avec un être humain. Il était carrément contre, et à chaque fois qu'il faisait, qu'il était annoncé dans une convention et qu'il participait à une sorte de masterclass ou de conférence, et il manquait jamais... d'envoyer un tacle à Guillermo del Toro vis-à-vis de ça, en disant que moi dans ma série jamais je l'aurais fait, jamais je le ferais. Et paf, Vlapa qui nous glisse la quenelle dans The Wild Hunt, non dans The Storm, et qu'il officialise donc cette relation amoureuse avec Alice. Donc moi j'avais développé l'idée dans mon article dossier sur donc The Storm, le pré-The Fury, que tout simplement ce qui allait se passer dans The Fury était trop pour un seul homme, même en sachant que Hellboy, bon, a eu son titre d'homme par l'ONU dans la série Hellboy, non pas dans les films. Hellboy dans la série est officiellement un homme, parce que l'ONU l'a reconnu comme homme. Mais au-delà de ça, Hellboy est un être humain avant d'être la bête de l'apocalypse. Mais si, même si bon, là on va tenter de nous montrer le contraire, c'est très bizarre, c'est très 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 bizarre Hellboy. C'était trop pour un seul homme, et il lui fallait quelqu'un. Il lui fallait impérativement quelqu'un, ou en tout cas, avant de perdre quelque chose, il fallait impérativement lui donner quelque chose pour que vraiment dramatiquement parlant ce soit plus fort, lorsque la perte, la fin de Hellboy arrive, pour que ce soit vraiment plus puissant dramatiquement parlant, il fallait quelque chose, il fallait lui apporter quelque chose. Là, pour la première fois, il fallait apporter quelque chose à ce personnage, et ce quelque chose, bah, c'est une personne à laquelle il tient, et cette personne là a des sentiments pour Hellboy. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc il fallait créer un couple. Voilà, il fallait lui apporter une femme qu'il aime, et cette femme devait aimer Hellboy en retour, pour que vraiment à la fin de The Fury ce soit encore plus déchirant.
Donc ça a été fait, c'est ma petite théorie perso, parce que vraiment c'est le retournement de veste, mais quand j'ai vu la case, je me suis un peu, oui j'ai un peu pouffé de rire, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est vraiment l'hôpital qui souffle la charité, c'est vraiment tiré sur l'ambulance de nous faire ça à ce moment là, surtout quand on sait à quel point Mignola a pu tacler Del Toro, mais il se faisait vraiment plaisir le gars à chaque fois, quoi. Il faisait vraiment marrer l'assemblée, jamais je ferais ça, et puis paf, la quenelle. Donc voilà pour Alice. Maintenant, donc, on va parler de The Fury 3, comme je vous l'ai dit, The Fury 1, The Fury 2, donc c'est la baston des deux armées, donc baston qu'on ne verra jamais, donc on voit une espèce de charge un peu à la manière de Minas Tirith dans Le Retour du Roi, on voit donc l'armée du roi Arthur, parce que le roi Arthur apparaît, prend donc le contrôle de son armée avec sa couronne, fonce sur l'armée de Nimue. La bataille, on ne la voit pas, à ce moment-là c'est vraiment épique, on a une case où on voit les deux se rentrer dans la gueule, on se dit ça va être un truc de fou, et grosse ellipse. On arrive, ou en tout cas Alice arrive à la fin de cette bataille, malheureusement on ne voit pas ce qui s'est passé, tout le monde est mort, tout le monde meurt, il n'y a pas un seul qui a survécu, ne reste vraiment de cette bataille l'enjeu décisif, Hellboy contre Nimue. Donc Hellboy arrive face à Nimue dans le troisième numéro de The Fury. Hellboy se bat contre Nimue, à ce moment-là, The Storm est déclenché, donc l'apocalypse commence à avoir lieu, tout simplement. Une bonne partie donc, de l'Angleterre se voit frappée par des éclairs, c'est du 4,50 gigawatts, hein, ça pourrait faire tourner la DeLorean version semi-remorque. L'Angleterre donc commence à disparaître au rythme du combat mené par Hellboy contre le Ugdrujahad, finalement, puisque à ce moment-là il se bat contre l'un des dragons légendaires. Donc le dragon légendaire prend le dessus sur Hellboy, et à ce moment-là Alice, qui, alors moi je suis persuadé, parce qu'on nous l'a clairement montré morte dans The Wild Hunt, tuée par Hellboy entre guillemets dans son sommeil, alors qu'il affronte son double démoniaque, son double en provenance directe de Pandémonium, puisque nous est annoncé, même avant The Wild Hunt, nous est annoncé dans... Alors attention, là, je vais faire un gros retour en arrière. Nous est annoncé dans... Que je retrouve... Le diable dans la boîte. Il nous est annoncé par Astaroth, l'un des généraux et l'un des conseillers de Azazel. Donc Azazel, le père de Hellboy et le big boss des enfers, donc... dont son siège s'appelle Pandémonium. Astaroth nous annonce que la main droite de Hellboy, la main droite de l'Apocalypse, donc, est un objet ancien et puissant, le moyen d'accéder à la puissance que tu désires. Donc là, il parle à un gars qui a passé un deal avec lui pour tuer Hellboy. La puissance de libérer et de commander le dragon Ugdrujahad, donc il en affronte un dans The Fury, d'insuffler la vie aux soldats inanimés de l'enfer, donc les fameux soldats en pierre que l'on voit dès le début. Ça, c'est incroyable, parce que le design de ces bestioles, donc tu le vois en haut dans la case du milieu, le design de ces trucs n'a pas changé depuis les débuts de la série Hellboy, ils ont toujours la même tête. Donc Hellboy, donc ça c'est l'armée des enfers, l'armée que Hellboy est censé commander, épée en main, couronne sur la tête, et chevauchant un dragon. Donc il est chargé de commander cette armée, donc je reviendrai là-dessus après. Donc il termine par et d'envoyer cette armée en guerre contre le ciel, tout simplement. Et il explique également, donc ça aura un détail très important après, donc retenez-le bien, il explique également par rapport à la main droite de Hellboy que cela ne sert à rien d'arracher la main de Hellboy après sa mort, puisque la mort de l'individu contaminera la main et elle sera inutilisable. Donc, juste après ça, dans The Wild Hunt, il retombe, je crois pas que ce soit Astaroth, il me semble que c'est le roi Vol qui est à la tête, qui est à la tête de la Grande Battue. Donc, dans la Grande Battue, Hellboy tombe dessus et il lui annonce que... qui est à la tête de la Grande Battue. Donc Hellboy lui répond que c'est le diable, Vol lui répond Satan, non, Satan dort. Et juste derrière il termine, depuis presque 2000 ans, dans une fosse sous sa grande cité, Pandémonium. Et là on voit, donc, première esquisse de Pandémonium, donc Mignola qui en a obligatoirement parlant fait les croquis et les sketchs pour Fegredo. Donc Pandémonium, un jour tu iras là-bas. Ce à quoi Hellboy répond, j'en doute, comme toujours, de toute façon lui doute de tout quand on parle de lui. Tu iras, tu descendras dans ce trou,
tu le trouveras et tu le tueras dans son sommeil. Donc tu tueras ton père Azazel, donc qui est à Pandémonium. Puis tu iras dans la ville et tu feras tomber tous les princes et les généraux, en sachant que Astaroth est un des généraux de Azazel, et tu réclameras la couronne qui t'y attend, en sachant que la couronne de Hellboy lui a été confisquée dans le chapitre que je vous ai montré, le diable dans la boîte. Astaroth lui prend sa couronne. Lui prend sa couronne et lui dit que si tu la veux, parce qu'à ce moment-là, il parle à Hellboy, il lui dit viens récupérer ta couronne, il lui prend et dit bah tiens, je te la rends. Et Hellboy lui fait non, j'en veux pas. J'en peux pas, tu peux même te la carrer là où je pense. Il lui dit bah écoute, je vais l'emmener avec moi à Pandémonium et elle t'attendra là-bas. J'attendrai que tu viennes la réclamer, puisque c'est ton destin, c'est de réclamer ta place sur le trône de Pandémonium, de lever l'armée de ton père, de tuer tous les généraux, ton père, de lever son armée, de c'était quoi le terme, c'était détruire ou d'abattre les murs des enfers. Il n'y a que toi qui peux le faire, afin de lever une armée donc contre le ciel. Le ciel, et du coup, bah, en même temps, bah, faire un petit peu la nique aux humains. Donc, c'est soit réclamer la couronne du roi Arthur, soit réclamer la couronne de Pandémonium, en sachant que dans The Fury, il dit non à la couronne du roi Arthur, et on en reparlera encore après. Ouh, qu'elle est longue cette émission. Donc voilà, donc puis tu iras et tu réclameras la couronne qui t'y attend. Puis tu reprendras l'épée de ton père et tu comprendras le rêve qu'il avait pour toi. Le jour de ta naissance, il t'a donné cette main et c'est la seule chose qui puisse insuffler la vie dans cette armée. Et là, je vais vous montrer le dessin, donc plus de 10 ans après, le dessin de l'armée, c'est le même, mais dessiné par Fegredo, le design n'a pas changé, c'est incroyable. C'est juste hallucinant, quoi. C'est 10 ans qu'il a dessiné ce truc, 10 ans, il sait ce qui va se passer, c'est juste fou. Et cette armée est la seule qui puisse faire tomber les murs de l'enfer. Donc voilà ce que je vous disais. Et donc là, on a. Et il t'a libéré, il t'a créé pour libérer tous ceux qui sont asservis en enfer et pour leur construire un nouveau paradis sur terre. Souviens-toi de moi quand tu deviendras roi. Et là, on a droit à ce magnifique dessin. Donc, Anu Unrama chevauchant son dragon. Couronne sur la tête, l'épée de son père, parce que donc Excalibur a un pendant démoniaque, en train donc faire la nique à la terre avec ses soldats de pierre marchant donc sur la civilisation. Qu'est-ce que c'est fort symboliquement parlant. Donc voilà les enjeux lorsque Hellboy affronte Nimue. C'est soit réclamer sa couronne donc du côté maternel, donc c'est-à-dire du roi Arthur, ou soit réclamer sa couronne du côté paternel, en sachant qu'on lui annonce dès le départ que sa destinée c'est de réclamer la couronne de son père. Donc avec ses enjeux en tête, Hellboy affronte Nimue, Ragnarok commence. Alice tombe sur la propriétaire du pub dans lequel tout a commencé, qui lui explique que donc, la tempête commence, donc là il est trop tard pour l'Angleterre puisque les monstres vont arriver, tout brûler, et là va commencer donc un nouvel Éden. Et donc elle lui annonce à ce moment-là que Alice tente désespérément de rejoindre Hellboy, et cette dame annonce à Alice que cela ne sert à rien puisque Hellboy combat afin d'apporter au monde un tout petit peu plus de temps. C'est-à-dire que même en battant Lokdrujahad, ça ne change rien au fait que Hellboy apportera l'apocalypse sur Terre. Si c'est pas comme ça, ça sera autrement. Et là, à ce moment-là, on a juste une case de fou furieux. Et elle, donc, elle continue sur sa phrase. Assez de temps pour que ses amis puissent faire ce qu'ils ont à faire. Et ses amis, c'est tout simplement le BPRD. Alors, par contre, là, le souci, c'est qu'on a Abe, on a Liz et on a Roger, en sachant que Roger est mort. Alors, pourquoi? Est-ce que, tout simplement, c'est parce que à ce moment-là, Hellboy ne sait pas que Roger est mort, puisque ça nous l'est expliqué dans l'épilogue de Fegredo dans Darkness Calls. Il nous l'explique clairement. Ils nous disent que Hellboy n'est pas au courant. Hellboy ne sait pas. Parce que Hellboy est parti depuis 6 ans. Ils nous disent qu'à ce moment-là, au moment de Darkness Calls, Hellboy a quitté le BPRD pendant 6 ans. Donc son voyage en Afrique a duré 6 ans. Et c'est Liz. Hellboy envoie une lettre au BPRD. Et Liz dit à Kate, ah mon Dieu, c'est vrai, il ne sait pas. Où est-ce que c'est? Il ne sait pas que, voilà, au Seigneur, il n'est pas au courant. Youp là! Voilà, au Seigneur, il n'est pas au courant pour Roger. Donc, est-ce que l'on voit Roger parce que tout simplement Hellboy n'est pas au courant que Roger est mort, ou est-ce que Roger reviendra, ou tout simplement parce que le BPRD à la base c'est ça, parce que mine de rien on voit pas Johan et puis on voit pas
d'Emilio. Je ne sais pas. Moi, je penche plutôt pour le fait que Hellboy ne le sait pas, et donc du coup, c'est pour ça qu'on nous montre. On nous montre l'ancienne équipe, l'équipe de avant le départ de Hellboy dans le vers conquérant. Donc bref, donc là, pareil, un parallèle fait avec BPRD, comme quoi les deux séries vont finir par se rejoindre à la fin. Moi, maintenant, j'en suis persuadé, BPRD et Hellboy vont à la fin se rejoindre. C'est pareil, non, mine de rien, n'est plus logique, puisque les deux, même combat. Hein. Hellboy, BPRD, c'est le même combat, les mêmes enjeux, la fin du monde, sauf que dans BPRD, c'est Liz qui, maintenant, a le pouvoir d'apporter la destruction sur Terre, le pouvoir d'apporter Ragnarok, entre guillemets. Donc, le combat continue, patati patata, et ah, je vous en parlais dans la vidéo news numéro 3, lorsque j'annonçais la fin de la série Witchfinder, je vous disais que bah, de toute façon, c'est pas grave, parce que Witchfinder, donc Sir Edward Grey, on le reverra dans Hellboy. J'en suis persuadé, Edward Grey a un rapport direct avec la fin de Hellboy, qu'on le reverra forcément à un moment ou à un autre. Et ben voilà, il aura fallu un numéro. Lorsque Alice avance vers la tour rejoindre son bien-aimé, elle tombe sur Edward Grey qui lui demande de se dépêcher. Alors, se dépêcher pourquoi ? Pour le sauver ? Non, puisque à ce moment-là, Hellboy est en très 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 mauvaise posture. Il est en train de perdre le combat contre l'Ogdru Jahad. Il tombe sur Vassilia qui lui apparaît, lui donne une épée. Alors, une épée, le débat sur cette épée est ouvert. Clairement ouvert. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi. N'hésitez pas à vous manifester via les commentaires du blog. En tout cas, c'est pas Excalibur, donc ceux qui le pensent, bah, qu'ils le disent. C'est pas son épée, c'est pas le pendant démoniaque de Excalibur. C'est forcément une troisième épée. Et moi, je penche à un rapport avec la couronne de Nimue, puisqu'on sait comment Nimue façonne cette couronne, donc je pense à une variante à ce niveau-là. Donc, Hellboy prend cette épée, tue le Ogdru Jahad, réussit à le tuer. Donc l'un des sept dragons, donc ceux qui pensent que c'est le Ogdru Jahad est mort à la suite de ce combat, non, il en reste encore. Hein. Il y en a sept, donc là il en reste fatalement, il en reste six, je crois, si j'ai pas de bêtises. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse, and hell followed with him.